Et bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une version un peu plus simplifiée pour les plus jeunes d'entre nous qui dessinent, pour dessiner une tête de chien de profil. Donc comme les cours précédents, ou si vous n'avez pas vu les cours précédents, on va faire ça. Donc pour ceux qui préfèrent, vous pouvez prendre un compas, vous faites un rond et vous venez faire un angle droit par là. C'est pas forcément pile poil au milieu, c'est pas de l'à peu près non plus, mais bon, après c'est juste que ça ressemble à ça, ça sera déjà bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est une petite parallèle de ça ici. Donc la parallèle de là. Faites un petit trait et ensuite on va rejoindre le bas du cercle. Vous pouvez descendre le trait de axe du centre du cercle et là tout doucement la tête de chien va apparaître. Ce trait-là, ça va être le centre de l'oreille. Vous pouvez faire un petit triangle. Et après, on va pouvoir commencer à faire les formes générales. Donc le petit triangle, vous continuez pareil, une parallèle à ce trait-là. On place l'œil. Et ensuite on va pouvoir, là on fait une petite cassure, on va pouvoir rejoindre un petit peu tout. La deuxième oreille qui apparaît derrière, ça donne un peu de volume. Pour la truffe, je fais une petite bosse comme ça, inversée à l'intérieur. Vous pouvez faire un petit rappel avec un petit trait en suivant le rond. Une petite tête de chien.